moi, je suis un soldat. Une mission m'a été confiée, j'ai l'intention de l'accomplir jusqu'au bout. L'armée béninoise a une guerre à gagner. Et si elle doit aller chercher ceux qui doivent lui permettre de continuer à avoir l'expertise, de continuer à avoir le matériel pour gagner les guerres sur la planète Mars, elle ira chercher cette expertise. Et voilà pourquoi je suis allé en France, voilà pourquoi le chef d'état-major français est ici. Nous voulons gagner la guerre contre le terrorisme, nous voulons d'un Bénin sécurisé. Si la France envisageait d'installer une base militaire au Bénin, la réponse est non. Parce qu'une base militaire, ça se décide à deux. Le Bénin n'a pas reçu de demande, le Bénin n'a pas fait de demande. Une base militaire, elle est physique, avec des bâtiments, avec des aérodromes, avec des aéronefs. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Il y a des détachements opérés en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés où des militaires français viennent conduire des détachements d'instruction opérationnelle pour une durée donnée. Et quand la mission est terminée, en fait, on repart. Nous avons eu des périodes de questionnement au Bénin en 2021. Des attaques terroristes, ce à quoi nous n'étions pas habitués. Parmi les amis qui ont bien voulu nous accompagner, se trouvait la France. Et j'ai effectué plusieurs visites en France, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà de voir comment ils peuvent nous aider en matière d'expertise. Ce qui a été fait avec les détachements d'instruction opérationnelle, ils nous ont également accompagnés avec des engins blindés, avec du matériel de communication, avec du matériel de géolocalisation. La guerre contre le terrorisme, c'est lui qui l'amène. Et c'est lui qui vaincra le terrorisme. Ce n'est pas une autre armée, ni l'armée française, ni aucune armée extérieure. Arkane, point de chute au Bénin, il n'en est pas question. Les moyens qui sont en train d'être désengagés du Niger, en fait, ne transitent pas par le Bénin, mais par le Tchad. Et le Tchad n'est pas non plus le point de chute de l'opération Barkhane. Chers compatriotes, vous me connaissez. Et la vérité, rien que la vérité, est ma boussole. J'ai écouté un reportage où le chef d'état-major béninois a dit clairement qu'il n'y avait pas de base française au Bénin. Mes propres investigations m'amènent à encore dire qu'il n'y a pas de base française au Bénin. Mais il y a des formateurs français que nous recevons, même qui nous appuient dans l'opérationnel, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas compris pourquoi le chef d'état-major français, au lieu de dire qu'il n'y a pas de base française, il dit qu'il n'y a pas de base française permanente. Dans la psychologie de la communication et surtout du béninois et l'africain, quand tu dis qu'il n'y a pas de base permanente, c'est qu'il y a de base mobile. Nous avons d'incompréhension avec nos frères du Niger et nous ne voulons pas que par erreur de langage, d'autres nous créent d'autres problèmes. Parce que les Nigériens, aujourd'hui, tous disent, bon, mais Kouvi, voici que le français dit qu'il n'y a pas de base permanente. Ça veut dire qu'il y a de base mobile ou provisoire. Mais à moins que ce soit nous qui ne comprenions plus le français, quand vous dites qu'il n'y a pas de permanent, ça veut dire qu'il y en a de provisoire. Or, il n'y en a même pas de provisoire. Parce qu'une base militaire a des conditions que ça remplit. Il n'y en a pas, aussi simple que ça. Donc, je souhaite que ceux qui viennent nous soutenir, et nous en avons besoin, quand j'entends beaucoup dire, mais pourquoi les Français viennent nous soutenir si on vous remet d'armes pour aller combattre les djihadistes tout seul, vous pouvez aller? Non, gna. Si on vous envoie tout seul au front, combattre les djihadistes, vous pouvez? Mais c'est vous qui dites non, c'est à notre armée de nous défendre. Et puis quoi encore? Mais le feu est allumé chez vous. L'eau propre ou l'eau sale, peu importe,
c'est que le feu soit éteint. Donc je souhaite et je demande humblement au chef d'état-major général de l'armée béninoise que quand il va recevoir les prochaines fois des alliés militaires pour protéger le Bénin, pour aider le Bénin à gagner cette bataille contre le terrorisme, je crois qu'il faudrait qu'ils s'entendent sur les mots à utiliser. Dire qu'il n'y a pas de base militaire permanente dans la tête de l'Africain, du Béninois que je suis, veut dire qu'il y en a de provisoire ou de mobile. Or, il n'y en a pas. À moins que quelques, ma foi, militaires qui viennent nous soutenir, que cela soit c'est-à-dire vu comme une base militaire. Je ne suis pas militaire, moi, mais j'ai quand même travaillé dans le milieu de la sécurité. Quand on dit une base, ça remplit certaines conditions. Et au Bénin, il n'y a pas de base militaire française. Il y en avait au Niger, il y en avait au Mali. Au Bénin, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Je suis Bertin Kouvi, chez Ourebukukwi, président de l'Alliance Iroquois, membre du Bloc républicain. Je suis Nigérien par le cœur, un soutien indéfectible au président Patrice Talon. Ceux qui disent, oui, tu as changé d'avis. J'ai changé, je n'ai pas changé d'avis. Je suis pour la vérité, rien que la vérité. Et nous souhaitons que nos amis français, les coopérants militaires français, les visiteurs français, quand ils prennent parole, qu'ils tiennent compte de notre niveau de compréhension. Nous sommes le 24 mai 2024. Je vous remercie. Ce message est à l'endroit du peuple frère du Niger. Le Bénin n'a aucun intérêt, aucun plan, aucun projet d'attaquer le Niger ou de permettre même que son territoire soit utilisé pour attaquer le Niger. C'est faux, c'est archi faux. Nous n'avons aucune base française chez nous, fût-elle même provisoire. Et je vous le redis, nous recevons des formateurs. Nous recevons du soutien comme le Niger en a reçu tous les jours. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas au Niger de nous définir quelle stratégie utiliser. Ce n'est pas au Niger de décider de comment on va lutter contre le terrorisme. Mais, je vous le conseille, notre ami français n'a pas parlé français. Vous savez, vous ne comprenez pas que les Noirs aujourd'hui parlent mieux français que les Français de souche. Je vous remercie. On aurait pensé que ces deux personnalités pouvaient prendre le devant pour pouvoir faire la médiation, pour trouver un terrain d'entente avec les autorités du Niger. Malheureusement, comme un sniper, il a déjà détruit tout ce qui peut l'aider à gérer le pays dans la paix et dans la bonne cohabitation avec tous les pays. Il n'a pas de bon contact avec le Togo, il n'a pas de bon contact avec le Burkina, il n'a pas de bon contact avec le Niger, même en quand Tinubu est venu, il a essayé rapidement de se mettre dans les culottes de Tinubu, mais Tinubu a vite constaté qu'il n'est pas fréquentable. Il n'est pas fréquentable. Et comme Buhari avant lui a fermé la frontière du Bénin pendant près de 18 mois parce qu'il n'est pas digne, il n'est pas fréquentable, ce n'est pas un homme de confiance. C'est un homme qui ne pense qu'à ses poches, à sa poche. Il ne pense qu'à lui-même, à comment il va mettre de l'argent dans sa poche. Il ne pense pas aux Béninois. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi seul qui le dis. Même Monseigneur Gagné, d'accord, Antoine Gagné, je pense, il a dit récemment, Patrice Talon se comporte comme quelqu'un qui aime le Bénin sans les Béninois. Ça résume tout la pensée, toute la pensée de Patrice Talon, de comment il agit, comment il se comporte. Merci beaucoup, Monsieur Benoît, pour votre commentaire. On fait l'effort d'apporter l'information comme on le conçoit, on n'a pas la science infuse, et puis ce qu'on dit, c'est par rapport à notre vécu, comment on voit notre pays, comment, où est-ce qu'on veut voir notre pays, où est-ce qu'on veut voir notre pays dans les années à venir. Donc, par rapport à ça, on réagit avec nos défauts, nos qualités. Donc, Monseigneur Gagné, on ne peut pas l'accuser d'être un opposant, parce que quand tu dis quelque chose, on dit « Ah, parce que tu n'aimes pas Patrice Talon », d'autres vont dire « Ah, parce que tu as la reine contre Patrice Talon ». Mais Monseigneur, un homme de Dieu comme ça, n'a pas dit qu'il lui-même, il a la reine comme Patrice Talon ou bien qu'il n'aime pas Patrice Talon. Il a dit, c'est les gens qui rencontrent des centaines de Béninois, il a dit ce que la plupart des Béninois pensent, même si c'est dans le silence. Parce qu'il se comporte comme quelqu'un qui aime
de Bénin sans aimer les Béninois parce qu'il n'a rien fait pour les Béninois en tant qu'individu. Il ne pense pas aux Béninois en tant qu'individu. Il pense aux gros œufs, aux grosses œufs, ce qui va leur rapporter de l'argent pour ses entreprises, pour le port, est devenu un port privé de Patrice Salon où Patrice contrôle, pardon, Bénin contrôle, encaisse tout l'argent de l'État et lui décide de ce qu'il va mettre dans la caisse commune. Donc, on a un pays, un individu, il est celui chef de l'État, chef d'entreprise, et ces entreprises encaissent l'argent du contribuable et c'est à l'entreprise de décider de mettre ce qu'il veut dans la caisse de l'État qu'il dirige. Ce qui devrait être au contraire que normalement, c'est l'État qui encaisse son argent et sur la base d'un contrat bien ficelé va décider qu'est-ce qu'il paie aux gens qui font des prestations de services. Donc, il faut faire, c'est ça qu'on constate, c'est ça qui est malheureux pour notre pays, de tomber dans ce conflit d'intérêts-là, en confiant le pays à Patrice Talon, c'est le mal, c'est un mal qui va nous poursuivre encore peut-être pendant 2 siècles. On ne peut pas confier le pays à un homme qui s'est enrichi en prenant seulement dans la caisse de l'État. Il n'a rien créé dans sa vie. Tout ce qu'il a comme bien aujourd'hui, c'est les entreprises, les anciennes entreprises de l'État qui sont devenues ces entreprises privées. Tout son capital, tout son bien là, c'est ça. C'est ce qui appartenait à l'État, les usines. Les 10 usines de la Sonapra sont devenues ces usines. Il n'a rien payé pour les prendre. Il va dire, on lui a donné ça en don, ou en ceci, à ça. L'usine de Martin Rodriguez de Niki, il a pris à 1 franc symbolique. Donc, il a arraché non seulement tout ce qui appartient à l'État, il a arraché aussi tout ce qui appartient à des privés. Quelques Béninois qui avaient un peu des moyens comme Martin Rodriguez à Diavon, il a arraché tout ça là pour former son empire. Et il a assis dessus, il a construit son arrogance sur ça. Et c'est de ça qu'il se vend comme milliardaire. C'est pas les Dangote n'ont pas construit le milliard. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton « Merci » en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.